Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Good evening, ladies and gentlemen. Le Festival international du film fantastique de Gérardmer a décidé pour sa 24e édition de rendre hommage à un maître du cinéma de genre japonais, un explorateur des ténèbres de l'âme humaine. Pour rendre cet hommage, je vais dès maintenant appeler sur cette scène le directeur de la programmation de la Cinémathèque française. Ladies and gentlemen, please welcome the head of programming of the programming department of the French Cinémathèque, Monsieur Jean-François Roger. Lorsque l'on découvrit, enfin pourrait-on dire, vers le milieu des années 1990, son cinéma, Kiyoshi Kurosawa avait déjà réalisé plus d'une vingtaine de films. C'est dire à quel point cet ogre génial et boulimique n'avait pas attendu d'être reconnu internationalement pour déployer une énergie qui s'est traduite, depuis ses débuts et pendant de nombreuses années, par un enchaînement irrésistible et continu de titres. D'où a-t-il tiré toute cette vitalité artistique? De son goût pour le cinéma de genre, le polar vite troussé, le film d'horreur enlevé, la série B érotique tournée en quelques jours. C'est dans la vitesse, en tout cas, que pendant longtemps, Kiyoshi Kurosawa a réalisé son désir de faire, à tout prix, du cinéma. Sa cinéphilie s'est nourrie à la fois de la liberté de la série B d'horreur, de la fureur contrôlée de la production de genre japonaise, de la poésie nihiliste d'un certain cinéma américain des années 1970, je crois que Richard Fleischer est son cinéaste préféré, mais aussi des bouleversements formels et éthiques de la modernité cinématographique européenne. Encore étudiant, il tourne déjà en Super 8, et c'est en 1983 qu'il débute dans le cinéma commercial avec des films érotiques, suivis par des petits films de gangsters ou d'épouvante, directement destinés au marché de la vidéo. C'est donc sous le règne de ce que l'on appelle le cinéma de genre que Kiyoshi Kurosawa entame sa carrière. Est-il pour cela un cinéaste de genre? N'a-t-il pas au contraire fait sortir celui-ci, fait sortir cette catégorie de ses propres limites? Son œuvre n'est-elle pas finalement la preuve, en plus de 30 titres maintenant, qu'il n'y a pas de film de genre et que, comme il le déclarera lui-même, c'est en respectant les règles imposées que l'on peut oser un certain nombre d'expériences? La peur est sans doute ce qui caractérise son œuvre et fait de celle-ci un pur art de l'angoisse, l'application d'un principe d'inquiétude. Kiyoshi Kurosawa aime raconter des histoires effrayantes. Celle d'un tueur en série qui ne tue pas, mais qui pratique l'hypnose pour forcer des tiers à assassiner leurs proches dans Cure. Celle d'employés d'une entreprise d'assurance atteints par un parasite tropical qui les transforme en zombies dans Dorse Tree. Celle d'une femme médium qui kidnappe une petite fille avec la complicité de son mari pour pouvoir prouver ses talents dans Séance. Celle d'un spectre qui voyage à travers Internet et pousse des adolescents au suicide dans Cairo. Celle de fantômes, enfin, les fantômes, expression d'un refoulé immonde que l'on voudrait cacher à jamais, qui surgissent inévitablement dans de nombreux titres tels que Loft ou Rétribution. Ces plans tirés au cordeau sont chargés d'une terreur immédiatement concrète. Le danger menace régulièrement d'y surgir d'un hors-champ auquel le cinéaste donne une importance extrême alors que la bande-son s'alourdit d'un bourdonnement lugubre. Mais la peur chez Kurosawa est avant tout intime et philosophique. Elle imprègne aussi des films qui ne relèvent pas directement du genre et elle questionne avec une intelligence inouïe les rapports entre l'homme et la société, entre l'homme et son identité. Ce que traque le cinéma de Kiyoshi Kurosawa à travers ses récits de spectres, de contamination, c'est la pulsion de mort, c'est le désir d'annihilation de l'autre. À l'image de l'arbre de son film Charisma qui prospère en provoquant le pourrissement des arbres qui l'entourent, l'être chez Kiyoshi Kurosawa ne survit que dans la négation. L'être est, mais il n'est que dans la mort de l'être. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Kiyoshi Kurosawa. Merci beaucoup Jean-François d'avoir parlé de moi en termes si élogieux.
Thank you very much, Jean-François, to talk about me with such religious terms. J'étais assis à voir, à me rendre compte en regardant cette vidéo que j'ai quand même réalisé beaucoup de films. I was sitting down looking at the video and I realized that I actually made a lot of movies. 実は今日の朝、この前にある湖で凍っていたので、その湖の上でフォトセッションというのをやったんですけども、その時生まれて初めて凍った湖の上に立ちました。Donc ce matin, il y a eu le photocall sur le lac gelé, et c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais debout sur un lac. ものすごく氷の上って安定していて、飛んでも跳ねてもびくともしないような気がしたんですけど、聞いたら厚さが23センチあるって言われたんですね。それって意外と薄いなと思ってちょっとびっくりしました。Et j'étais très étonnée en fait de la stabilité qu'on avait sur le lac, mais juste après on m'a dit, figure-toi qu'il y a 23 cm d'épaisseur de glace, et je me suis dit, mais c'est rien du tout. で、真ん中の方に行くとどんどん薄くなるので近づかないでくれと言われたんですけど、一体どこまで行ったら本当に薄くなって、人間がズボッと下に入ってしまうのでちょっと試したくなったんですけど、まあ、怖いのでやめておきました。Et on m'a dit que plus on approchait du centre, plus la glace était mince et qu'il valait mieux éviter de s'en approcher. Mais je me suis dit, mais jusqu'où je pourrais m'approcher ? En fait, j'aimerais bien essayer, mais bon, ça me fait peur, donc il vaut mieux éviter. 僕の映画作りも同じようなものかなと思っています。どこまで行ったら映画じゃなくなるんだろうってギリギリのところまで行って、ここから先行くともう映画じゃなくなるから、やめとこうと思って引っ返す。でもうちょっと少し横に回り込んでこっちから行ったらどうだろうと、ここが限界だと言って、だんだんだんだん湖の周りをゆっくりこう一周していく、まあ、そんなようにして映画を作ってきたのかなと思っています。 Et en fait, j'ai l'impression que la création des films chez moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je suis toujours là à tâtonner à voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où c'est un film, à partir d'où ça n'en est plus un. Est-ce que je dois plutôt faire le tour ou est-ce que la limite se trouve? Et donc je vais petit à petit faire un tour du lac. Donc c'est un peu comme ça que je vois ma façon de faire les films. ただ湖広いのでなかなか一周できなくて、まだ半分も行ってないと思いますね。いつかぐるっと一周して、あ、これが湖の全体なんだ。真ん中行ったら溺れるけども、その外をぐるっとやっと23センチの氷の上を一周できたと思える日が来ればいいんですけど、まだまだ全然一周できていません。映画の周りは果てしなく広くて、あと何十年映画を作り続ければ一周できるのか分かりませんけども、できるだけ、この大きな映画という巨大な湖の周りを一周してぐるっと回ってみたいと思っております。Et du coup, j'espère que, en fait, jusqu'ici, j'ai dû faire peut-être le milieu de ce trajet pour faire le tour du lac. Donc j'ai encore beaucoup à parcourir, mais j'espère que le jour où j'aurai fait le tour de ce lac viendra. Et je ne sais pas dans combien de temps ce sera, mais d'ici là, je vais faire de mon mieux pour pouvoir faire un tour entier de ce grand lac qu'est le cinéma. Si un jour mon voyage de cinéma prend fin, j'espère que Jean-François sera de nouveau là pour parler de mes films. Merci. Ou encore vers l'autre rive dans le cadre de cet hommage qui est rendu à
Kiyoshi Kurosawa par le festival de Gérard, mais vous pouvez de nouveau l'applaudir.